Alors bonjour chers amis, c'est Christian depuis IndiaTechAccess.com. Aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui est un projecteur ViewSonic de modèle PJD5123. Alors les caractéristiques de ce projecteur là, par exemple, il vous offre une luminosité de 2700 ANSI, ce qui veut dire que vos images seront claires et assez nettes. Et en plus de ça, il a une fréquence de 120 Hz et il supporte la technologie 3D. Et il est de type DLP, c'est-à-dire que vous pourrez regarder tout ce qui est multimédia là-dessus avec des lunettes 3D adaptées, type DLP. Et aussi ce projecteur-là vous offre une garantie de 3 ans internationale. Et il est idéal pour les salles de classe, les salles de conférence, tout ce qui est présentation et aussi pour votre propre utilisation chez vous. Alors nous allons ouvrir cet emballage-là et voir ce qu'il nous présente. Vous le voyez, voici notre projecteur ViewSonic. Il y a des touches ici aussi. Il y a aussi des ports. Alors ces touches là, je vous explique. Il y a ici la touche pour allumer le projecteur. Ici on a la touche pour le menu. On a la touche pour charger la source. Et aussi la direction. Il sert aussi de direction gauche. Ici on a la touche pour le mode qu'on veut sélectionner. Ça aussi de direction à droite. Et ici on a les touches pour ajuster l'affichage sur le mur, c'est-à-dire pour monter et pour descendre. Deux ports audio, une entrée audio et une sortie audio. Ici on a notre port pour le câble pour le connecter à l'électricité. Ici on a nos deux ports vidéo, on a vidéo out et S vidéo. Ici on a deux ports VGA pour les connecter à nos ordinateurs. Alors c'est des entrées VGA, des VGA in. Ici on a un port VGA out, okay. Et ici on a un port RS232, c'est à dire que lui il servira à connecter le projecteur à une imprimante par exemple. Et ici on a un mini port USB. Et alors ici, on a notre lentille pour le projecteur. Ici, on a un port infrarouge pour la télécommande. Et ici, ça nous permet d'ajuster la taille qu'on souhaite pour notre projecteur. Alors, nous allons allumer notre projecteur pour voir comment il fonctionne. Alors là, on a connecté notre projecteur à notre ordinateur. Et on va l'allumer. Alors là on vient de connecter notre projecteur à notre ordinateur et je vous rappelle juste que pour trouver l'affichage parfait, vous avez ici un ajusteur de zoom. Alors il vous suffit juste de tourner et vous trouverez l'affichage parfait. Alors plus vous avancez, l'affichage se réduit et quand vous reculez, il s'agrandit. Alors vous pouvez voir là-haut, il est un peu plus grand. Et voilà. Alors vous remarquez aussi que l'image est assez claire et ceci c'est dû à la luminosité de 2700 ANSI dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà pour notre projecteur qui est aussi 3D, qui peut supporter la technologie 3D. Alors visitez-nous sur IndiaTechAccess pour avoir plus d'informations sur ce produit et aussi nous laisser des commentaires. Merci et portez-vous bien.